Bonjour tout le monde. Alors je sais pas si comme moi vous êtes déjà posé cette question, pourquoi on a tant de mal à changer notre comportement? C'est vrai, à la base, on est plein de bonne volonté, on prend des bonnes résolutions, aller à la salle de sport 3 fois par semaine, manger plus de légumes verts, arrêter de bosser sur un projet la veille pour le lendemain. Et finalement, on fait rien de tout ça. Alors pourquoi? Eh bien dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et puis je vous donnerai 3 astuces pour apprendre à déjouer les pièges de la procrastination. Vous allez tout savoir et ça commence maintenant! Alors à première vue, on pourrait croire que changer nos comportements, c'est quelque chose de plutôt... simple, basique. Mais en ce qui concerne nos comportements, rien n'est simple. Et je dirais même plus, c'est mal connaître notre cerveau, parce que lui, il n'aime pas le changement. Il préfère les choses routinières, garder son petit confort en fait. À tel point que la moitié des choses qu'on fait dans la journée, ce sont des habitudes. Ah bah si, il y en a un paquet quand même, hein. Bonjour Jean-Pierre. Au revoir Jean-Pierre. Alors c'est vrai qu'on manque un peu d'originalité en ce qui concerne les choses du quotidien. Mais les habitudes, elles sont quand même bien pratiques. Elles ont surtout un gros avantage. Elles nous permettent d'économiser de l'énergie. Non, quand je parle d'énergie, c'est plutôt une énergie mentale, la réflexion, l'analyse. Par exemple, c'est ce qui te permet de conduire sans forcément penser à tous les gestes que tu dois faire. Et surtout en plus, si tu as le permis depuis un petit moment. Ces automatismes, ils nous permettent en fait d'aller plus vite. Et d'avoir plus de ressources pour les choses qui sont compliquées ou qui sont plus enrichissantes pour nous. Et en réalité, changer nos comportements, ça nous demande beaucoup plus d'efforts qu'on ne le pense. D'ailleurs, il faudrait 66 jours pour instaurer une nouvelle habitude dans notre vie. Alors pourquoi c'est si long et si compliqué? Eh bien en fait, il y a deux raisons. Première raison, à la base, il faut comprendre la mécanique de nos comportements. Une habitude, c'est un petit peu comme une boucle qui n'arrête pas de tourner, qui est en mode automatique. Et si on veut modifier cette boucle ou bien en créer une, ça va nous demander de l'énergie. Et cette énergie, en fait, c'est notre volonté. Sauf que notre volonté, elle n'est pas illimitée. Et donc, au départ, ça va te demander un effort régulier pour changer ton comportement. La deuxième raison, c'est qu'en plus, il y a un frein très puissant qui a été identifié par les chercheurs en psychologie. Il s'appelle le biais d'inertie. Et ce biais, il peut même t'empêcher de passer à l'action, même lorsqu'il s'agit de faire un tout petit changement, hein. Ah bah oui, c'est par exemple lui qui t'empêche de te désabonner de la salle de sport, alors que ça fait 3 mois que tu mets plus les pieds et que tu continues à payer. Alors qu'en fait, il suffirait simplement d'envoyer un petit courrier pour te désinscrire. Ça, je dis rien, hein. C'est aussi lui qui va te freiner à changer, même lorsque tu sais que le changement serait mieux pour toi. Par exemple, arrêter de fumer, ou bien te lever 10 minutes plus tôt pour faire un peu de sport. Mais alors, comment faire pour que ça change? Eh bien, je vais te donner 3 astuces. La première, c'est définir des objectifs précis et petits. Au lieu de partir dans les grands changements vagues du genre « c'est décidé, je reprends le sport. » Préfère plutôt « tous les jours après le travail, j'irai marcher 15 minutes dans le parc à côté de chez moi. » Tu verras, ce sera beaucoup plus efficace. Deuxième astuce, crée les bonnes conditions pour installer le changement. Si par exemple tu veux reprendre la marche, eh bien prépare à l'avance le circuit que tu veux faire. Prépare aussi tes affaires la veille pour être sûr que le moment venu, ça facilite le passage à l'action. Troisième astuce, ne t'arrête pas en cas d'échec. L'échec, c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui fait partie du chemin. Et en plus, si tu l'analyses et t'essayes de le comprendre, ça va pouvoir t'aider même à avancer. Parce que tu vas ainsi comprendre tes erreurs et donc pouvoir les modifier. Et maintenant, si tu veux commencer par instaurer une bonne habitude, abonne-toi à ma chaîne. Alors je te dis à très bientôt.